La RDC confrontée à une crise sans précédent, 7 millions de personnes déplacées. La République démocratique du Congo, la RDC, connaît actuellement le plus grand nombre de déplacés internes de son histoire, avec près de 7 millions de personnes affectées selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, publiées le 30 octobre. Cette situation alarmante est principalement due à l'escalade des violences, notamment dans l'est du pays, ce qui en fait l'une des plus graves crises de déplacement interne et humanitaire au monde. L'OIM intensifie ses efforts pour apporter une aide cruciale à ces 6,9 millions de déplacés internes en RDC, un chiffre record. La majorité d'entre eux se trouvent dans les provinces orientales du pays, notamment dans les Kivu, l'Ituri et le Tanganyika. Les violences sont la principale cause de ces déplacements et l'est de la RDC est en proie à des crises depuis presque 3 décennies. La situation s'est encore détériorée avec la résurgence du groupe rebelle M23 à la fin de l'année 2021. Rien que dans la province du Nord Kivu, près d'un million de personnes ont dû quitter leur domicile en raison des conflits. Ces combats se sont intensifiés depuis le début octobre, en particulier au nord de Goma, impliquant l'armée congolaise, le M23 et d'autres groupes armés. Face à cette urgence humanitaire, l'OIM lance un appel pressant pour l'aide aux populations les plus vulnérables. Cependant, l'organisation se heurte à un manque de ressources financières, ayant reçu à ce jour seulement 37 millions de dollars sur les 100 millions nécessaires pour mener à bien ces opérations en RDC. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Un grand merci à vous, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir. Activez la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à toutes, à la prochaine.